le Sud-Coréen. Et voici son coéquipier, Kim Soo-myoon, à peu près du même niveau. Allez, vrille et demi, vrille, vrille et demi, pile chute. Et là, ça monte beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus net. Double vrille et demi, Barani, suivi d'une double vrille, c'est parfait, un tout petit peu déséquilibré vers l'arrière, mais c'est tout de même très difficile et très bien exécuté pour le Coréen. Ronda de flip, diabolique tendu, là aussi c'est impeccable. Ah c'est bien, il faut qu'il continue comme ça. Un et demi roulé, c'est parfait. Le travail au sol maintenant, en triple russe. Allez, on se replace dans le coin du praticable et on se concentre maintenant pour la dernière acrobatie. Ronda de flip, double arrière avec une vrille, oui, pile chute. Oui, oui. Pile chute, c'est vraiment un très très beau programme. Bien meilleur que ce qu'il avait fait lors du concours général. Alors il a tout basé sur la technique, la précision. 14,650 hier lors du concours général, logiquement, il devrait dépasser les 15. Oui, je pense, logiquement. Ah oui, l'exécution est vraiment remarquable. Phase d'envol, vision du sol et la roulade. Et ici, le double arrière avec une vrille. Là aussi, pile chute. Ah oui, superbe, superbe programme. Alors d'ici là, allez inquiéter Zoukaï, je ne pense pas. Mais oui, sait-on jamais. C'est tout de même un petit peu moins technique, un petit peu moins de difficulté. Mais bon, c'est vrai que l'exécution était remarquable, il n'y a quasiment pas eu de faute. Non, rien à dire si ce n'est sur la deuxième diagonale. Mais voilà, ça reste très propre, très élégant. Bonne chance de médaille. Et oui, le voilà deuxième, 15-600. Eh bien, il n'est pas très très loin des 16.